avec le Kazakh Fedorchenko. Oui. Alors lui, il n'a peur de rien. Igor Fedorchenko, Sergei Fedorchenko. Il a un frère, Igor, mais c'est lui qui est en finale. Oui, alors attention ici, observez bien son mouvement. C'est certainement le mouvement le plus difficile. Allez, c'est un salto Kovacs. Un salto Kovacs, et il va continuer. Dommage, il aurait dû faire le soleil tout de suite au temps, mais il a repris la barre un petit peu tard. Aïe, 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 quel dommage, il manque cet exercice. J'aurais voulu vous présenter toute la difficulté. Il nous avait régalé tout au long de ce championnat. Il devait faire un Kovacs, le salto que l'on vient de voir au-dessus de la barre, avec une vrille supplémentaire. C'était son troisième lâcher de barre. Va-t-il le refaire maintenant simplement pour la gloire, après avoir remis un petit peu de magnésie? Dommage, c'était un prétendant à la médaille d'or. Mais Fedorchenko reprend la barre après cette interruption inattendue. Alors peut-être pour le public. Oui, accélération. Voilà, ici Kovacs brille. Oui, c'était ce qu'il devait réaliser après ces deux Kovacs. Ah, ici tour volant. Oh, tour volant, passage sur le dos au temps. Spectaculaire, Fedorchenko. Mais malheureusement, il sera pénalisé par cette interruption. Et une belle sortie. Et sortie avec ce qu'on appelle le Miller tendu, double arrière tendu avec une triple vrille. Le mouvement le plus riche, le plus complexe en difficulté. Dommage, il n'a pas su l'enchaîner. Il a manqué de maîtrise aujourd'hui. Et c'était la finale du championnat du monde. Dommage. Ah, il y a beaucoup de gymnastes qui peuvent devenir champions du monde avec un programme où les difficultés mondiales s'accumulent, mais il faut les réussir dans le temps. Et c'est vrai que dans la précipitation, peut-être, et un manque d'appréciation dans l'espace, eh bien, Sergei Fedorchenko a dû interrompre son mouvement alors qu'il avait les capacités techniques pour devenir champion du monde. C'est la gym avec ses aléas et ses surprises. Voyez, 8,850, ça signifie qu'il a déjà perdu un demi-point. Un demi-point sur la chute, plus les conséquences au niveau des liaisons de son exercice.